Jean-Sébastien Trevignon, donc je suis sur ma tablette, sur Internet, pour charger mon application. Donc alors, pour l'instant, excusez-moi, pour l'instant, donc c'est sur Internet, mais il n'y a pas de souci, vous devez aller ici. Donc dès que vous allez arriver, ça marche pour toutes les versions Android, Apple, smartphone, tout, tablette, etc. Ça vous marquez télécharger, il y aura un bouton ici. Et après, ça vous demandez, êtes-vous sûr de vouloir faire ça, de vouloir le charger, vous cliquerez là. Moi, c'est remplacer un fichier parce que j'avais déjà chargé, là, ça va le télécharger. Donc, vous cliquez tout, alors il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est en train de charger. Donc, alors, pour l'instant, ça charge. Alors, je ne peux pas faire de coupure parce que je peux pas monter avec ma tablette. Si, je peux monter. Mais après, il y a un truc qui s'affiche là, ça prend pas de temps. Donc, qu'est-ce que je peux dire en attendant? Donc, alors, pour l'instant, elle s'appelle comme ça, mais vous allez voir que ça va changer. Après, une fois qu'elle sera chargée, vous allez devoir cliquer dessus, parce qu'elle ne va pas s'installer directement. Et après, ça va croire que c'est un virus, etc. Mais c'est pas un virus, hein, je tiens à vous préciser. Pour l'instant, ça charge. C'est bientôt prêt. 100%. Voilà. Là, vous allez cliquer dessus. Là, ça va vous amener ici. Installation bloquée. Là, vous faites paramètres. Vous faites source inconnue. Autoriser seulement cette application. OK. Voilà. Là, ça vous met ça. Vous cliquez sur suivant, vous descendez. Puis installer. Donc maintenant, là, ça s'installe en quelques secondes. Voilà. Là, vous avez juste à attendre. Donc une fois que ça va être installé, ça va pas s'installer direct sur le truc de l'accueil. Vous allez voir, ça va s'installer juste. Il y a toutes les applis en gros. Vous allez voir. En gros, le raccourci ne sera pas tout de suite. Mais il faudra juste le mettre. Vous allez voir. Donc, je ferai peut-être un tuto comment créer mon appli. Alors, cette appli, donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là, OK, on fait effectuer. Vous pouvez l'ouvrir directement. Donc, elle s'affichera ici. Voilà. Donc, alors, on va la mettre là. Voilà. Donc là, Info Max Games YT. Donc, vous allez cliquer dessus. Alors, ça va s'ouvrir comment? Voilà, donc là, ça s'ouvre comme ça. Alors, j'ai mis des trucs de YouTube un peu partout. Donc là, ça marche. Ça marque. La chaîne est en pause actuellement. Merci de revenir rapidement sur l'application pour voir ce qui va se passer. D'accord, là, quittez pas l'application. Parce qu'après, vous cliquez ici. Et là, vous avez plein de trucs. Alors, il y a écrivez-nous. Alors, ça vous en ouvrait sur le. Là, vous pouvez faire. Normalement, vous devez aller sur Gmail. Et après, ça vous en mettra directement sur l'adresse mail. Vous pouvez m'écrire. Après, vidéo YouTube. Bah en gros ça mettra toutes les vidéos YouTube. Voilà. Mais vraiment tout. Vous allez tout voir et vous aurez toutes les vidéos. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique. Après vous avez formulaire. Donc si vous vous inscrire, alors ça marque inscription YT, donc inscription YouTube. Inscrivez-vous et tentez de gagner des parties et des vidéos de grands YouTubeurs et moi-même. Parce que je connais quelques grands YouTubeurs. Qui peuvent aller de 400 à 1000, 2000 abonnés, donc voilà. On va mettre, je sais pas, voilà. On met n'importe quoi. Hein. Après, faut mettre homme ou femme. Après, si vous mettez par exemple un email bidon, imaginons qu'on met un email bidon. Quand vous allez aller, donc, vous allez aller ici, vous faites pays. Donc là, vous mettez votre pays. Pays, la France, elle est où? Avant que je la trouve. Voilà. Faites OK. Et là, vous êtes une photo de profil. Alors, numéro de téléphone, photo de profil, c'est pas obligatoire. Donc là, si vous faites s'inscrire, ça vous marque. Impossible d'envoyer le formulaire, simplement parce que c'est invalide. Ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire. Attends, je vais tout effacer. Je vais mettre ça. Voilà. Là, je mets mon adresse mail. Tant que vous mettez une adresse mail, ça va. Vous pouvez mettre la mienne, mais de toute façon, je vais savoir qui c'est quand même parce que je vois exactement par qui ça a été chargé. Donc, ça sert à rien de le mettre. Et après, je peux vous virer de l'application. Ça, c'est le truc. Inscription réussie, mais c'est une attente 48 heures ou ouais, plus tard. Oui, parce que là, je me suis trompée dans une faute d'orthographe. Vidéo montée à 0 euros. Donc, alors là, c'est des coupons. Donc, spéciale offre. Racheter coupon. Voilà, racheter. Là, ça va vous donner un coupon. Merci d'avoir racheté ce coupon. En gros, là, vous avez un coupon. Ce qui est... Donc, en gros, là, vous avez 100% de réduction. Donc, là, moi, je vais le voir quand vous avez acheté votre coupon.
Et je vais pouvoir vous envoyer des vidéos, faire des vidéos. Ouais, je crois que c'est pour monter des vidéos. Après, carte à gratter. Alors là, si vous avez de la chance ou pas. Ici, vous cliquez dessus. Alors là, il y a un code à taper. Pour l'instant, je tiens pas à le montrer. Enfin, là, je vais vous montrer parce que j'ai mis un tout basique, mais je vais le changer après. Donc là, c'est pour l'instant, j'ai mis 1, 1, 1, 1, 1, 1. Toujours, la carte, elle n'est pas valide pour très longtemps. Maintenant, on fait vous gratter. Et là, monsieur malchanceux, j'ai mis ça comme photo. Donc voilà. Là, vous avez perdu. Ça vous met une petite voix, etc. Là, vous faites ça. Alors là, par contre, vous pouvez vous refaire plusieurs fois, sauf qu'après, si vous faites plusieurs fois, c'est pas non plus sur un marrant. Après, je vais devoir configurer ça. Alors, montez vos vidéos sans rien faire. Voilà, donc là, ça me mène sur mon site montage de vidéos. Cadeau par jour. Alors là, en gros, vous avez donc une carte vitée 2 plus 1. Vous avez un cadeau. Donc, en gros, là, il y a marqué le code de verrouillage, etc. Mettez 1. Alors, on revient. Le code de verrouillage, ça marque 1, 2, 8, 9. On va mettre 1, 2, 8, 9. Ok. Code incorrect. On va essayer celui qui est en dessous. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Non plus. Donc, alors, je tiens à dire que avant que vous arriviez à le trouver, il faut qu'il sait que ça. Pour moi, il faut réfléchir. Juste pour trouver, il faut réfléchir. Bon, voilà, donc pour cette application, c'est fini. Staff en transe, c'est quoi ça? Bon, on s'en fout, hein. Donc j'espère que cette application va vous plaire. Et je ferai bien sûr un tuto sur comment la faire. Normalement, il y a des trucs qui se mettront à jour. Normalement, ça se met à jour automatiquement, que je sache. Mais si ça se met pas à jour automatiquement, je vous dirai dans des vidéos de recherche d'application. Normalement, ça se met à jour automatiquement. Normalement. Donc après, à part si c'est vraiment des grosses mises à jour, si ça doit reconstruire l'application, faut. Enfin, je vous dirai de toute façon. Voilà. Bon, jusque-là, vidéo. Celui-là, on l'a reçu. Bon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo quand on aura du temps. Allez, bye. Oui, je sais que je peux pas raccrocher à la fin. C'est pas de ma faute, hein.